Oh YouTube! Suite de nos aventures sur Elden Ring, nous reprenons. J'ai peur pour ma sauvegarde. Pourquoi? Parce que le jeu s'est mis à jour tout à l'heure pendant que je jouais. C'est bon. Ouh! Bon, alors, nous reprenons ici. Et du coup, il fallait se retaper tout le périple. Alors, on a plusieurs choses à voir. On a du platforming potentiel. 68 en Intel. Oh là là, deux niveaux du 70. Il me faut combien maintenant pour level up d'ailleurs? 158 000. Ouais. Ouais. Bon, alors du coup, on a plusieurs choses à voir. Déjà ça. Bon, on va partir du principe que je vais tuer tous les ennemis. Voilà. Parce que 158 000 bordel. Ok. Bon alors, du coup, hop. Je pense que je vais d'abord passer par la lave où il y avait les Lizardmen là pour passer en dessous. Ah oui, l'Iron Maiden, si on n'oublie pas. Ah. Ouais. Elle est là. Ça suffit. Merci. Ok, ça va. Ça va. Donc ça, c'était pour passer au-dessus. Oui, hop. Donc on a cette option là. Mais ça me paraît assurément très bas. En fait, ça, ça passe. Bon, on va le faire maintenant. On en sera débarrassé. Voilà. C'était juste ça. Par contre, est-ce que je vais avoir un Michel qui va me sniper? Il y a un monde. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Non. Je veux pas savoir. Oh, je me suis vautré comme une merde. Mais je suis pas mort. Étrangement, je ne suis pas mort. Mais en fait, les albinorix, c'est ça. En fait, c'est une mutation de ces mecs-là. Je le sens pas du tout. Manuel de missionnaire 6. Oh, je me suis vautré comme une merde. Et faut peut-être que j'allume la lanterne, hein. Ce serait mieux. Voilà. Mais du coup, je fais comment pour repartir? Donc, ce n'était pas du tout là où je pensais arriver. Non, on me dit pas qu'il y avait une échelle. Oh, il y avait une échelle. Non, mais j'ai fait le dingue alors qu'il y avait une échelle juste là. Oh, le con. Bon bah d'accord. Il y avait une échelle donc. Quel idiot. Mais quel idiot. Hein? Depuis quand il y a un ascenseur ici? Il y avait un accent en dessous. Depuis quand il y a un ascenseur ici? Quoi? Le fameux ascenseur. Mais attends, mais il n'y était pas quand on y était allé tout à l'heure. Où justement, je voyais qu'il y avait du vide.
Ok, donc on a débloqué un shortcut. C'est bon, on l'a. Avec l'ascenseur de ses morts. Ah oui, là, il y a un truc en dessous. Hein. Mais sauf que là, si je vais en dessous... On est déjà venu ici, non? Non? Mais oui. Mais non. Ah, peut-être que si. Ok, donc on a débloqué l'ascenseur. Franchement, soit j'étais complètement aveugle tout à l'heure, soit effectivement, on n'avait pas... Je peux pas les viser. Aïe, aïe. Bon, alors c'est vraiment soit j'étais full aveugle, soit ça y était pas. Hein. Mais il me semble que ça y était pas. Bon, l'échelle, je dis pas. L'échelle, il y a moyen que. Après, elle était peut-être dissimulée, fallait peut-être descendre tout en bas pour la faire apparaître. C'est pas impossible. Mal mort. Ah, du coup, je suis mort. D'accord. Donc, ça fait ça. Maintenant, on est au courant, ça fait ça. Donc, la mal mort. Et je me suis fait toucher par la mal mort une fois. Mais du coup, est-ce qu'il va y avoir un truc? Bon, ben, let's go, on a l'ascenseur. Non. Oh là là. Là. Bon, est-ce bien obligatoire? Ok. Finalement, on va peut-être faire comme ça. Hein. Ouais, donc la malmort c'est vénère quand même. Ok. C'est tout? Non, parce que j'ai des loot là que j'ai jamais eu. Ah oui, je suis comme un con là.
suis comme un con là. I'm like a coon. Bon, viens si tu veux. Toi, tu fais la lambada là. Ah oui, non, mais toi, je veux pas t'affronter. Ça, on l'avait vu. Oui, là, il y a l'échelle pour aller en haut. Mais on va passer par là, du coup. Mais ça me dit absolument pas comment on chope les loots. Ah, attends. Oh là là. Ah oui, il y a lui là-haut, là. Fichier son monde. Ouais, ça me dit absolument pas comment on chope les loots qui étaient en hauteur dans la salle avec la clé lame de pierre là. Là-haut là. Ou alors c'est par ailleurs. Bon, on va y retourner et tâcher de mieux observer. Parce qu'au final, il me manque que ça. Sinon, on a tout vu. Bah ouais, hein. Y a ça. Comment je fais ? Comment je fais ? Je sais pas comment je peux faire. Hein. Le truc, c'est que je vois rien. Je vois même pas s'il y a un jump à faire, mais venu d'ailleurs. Ça fait quand même penser à deux loots importants. Parce que là, ça passe jamais. Ou alors j'ai loupé une subtilité, une cache qui doit monter. Mais même pas. Oh l'enfer. Ah puis là c'est baisé hein. À moins qu'il y ait une échelle. Vous y croyez à la théorie de l'échelle ?
Merde, je voulais pas faire ça. On se parle. J'ai l'air fin, tiens. Oups. Je voulais pas faire ça. Non mais vas-y, hein, je vais tout spread. Hein. Comme ça on est sûr. Hein. Bah ouais, non mais eux ils sont en pleine mutation, c'est sûr. Hein. C'est pas ça. Hein. Parce que là, ça donne là, et on sait que tout au-dessus de ce bâtiment, du coup... Ouais, là, il y a toi. On dirait qu'elle est fenêtre quand même. Hein. Et là, il y a une autre fenêtre. Mais attends. Attends, parce que nous, ce qui nous intéresse... C'est là-haut. Là-haut, là. Attends, je me colle au mur pour être sûr. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ici. Mais du coup, il nous faut un accès. Là ? Plus ouais, où est-ce que j'aurai accès à cette fenêtre? Parce qu'on dirait vraiment que c'est collé à ça. Donc il y a un monde où là-bas, j'ai moyen d'accéder à une fenêtre pour juste ramasser ces deux loot. Faudrait que j'y retourne pour voir. Ah, parce que là pour le coup on est d'accord. Ah, les loot sont là. Ici. Au-dessus de ma tête. Putain, c'est plan cul quand même. Et il manque que ça. Bah je crois. Peut-être pas. Ah oui, et là, oui, c'était le pop. Oui, oh là là, oui, ça veut dire qu'il faut que je me retape tout. Oui. Ah oui, donc non, ça correspond pas du tout à ce que je pensais. Oui, parce que nous, on arrive là. Oui, d'accord. Oui, donc ça colle pas du tout à ce que je pensais. Par contre, peut-être que... À partir de là-haut. Mais c'est pareil, ça me semble bas, en fait. Ah, ils ont refait la table, visiblement. Ouais, je suis à l'opposé. Je peux pas péter les vitraux, là. Bah, je sais pas. Je ne sais pas. Parce que nous, l'église là. Donc nous, on se barre. Parce que normalement, si je prends le shortcut, c'est bon.
Attends. Attends. Je suis désolé de batailler avec ça, hein. Vraiment, ça a l'air anecdotique, hein, mais... J'y tiens. J'y tiens fortement. Et parce que là, du coup, on est là, et nous, il faut qu'on arrive là, pour atteindre là. Ce qui est totalement faisable, hein. Ça serait en théorie tout au bout. Et je roule dedans, hein, à chaque fois. Hein. Mais c'est là ? Mais c'est ces fenêtres ! Que je dois atteindre. Oh, le plan cul. Mais ça peut pas être ça. Comment je suis censé faire? Ça peut pas être ça. Ah, et ça ne pète pas bizarrement. Alors, je me dis, et si ça, c'était censé être activé par je ne sais quoi? Parce que ça fait genre vraiment mécanisme... Mais non, mais ça c'est une table d'écartèlement. En fait, si je pouvais atteindre le sommet de cette cage, on serait bon. Alors peut-être. Mais non. Et puis vu que j'ai pas le droit à la monture, on est baisé. Il y a un monde où on peut atteindre cet endroit différemment. Ça me semble quand même sacrément prise de tête. Alors, c'est quasi sûr que c'est en lien avec ce qu'il y a ici. Sauf que comment on l'atteint, ça? Je pense qu'on se prend la tête pour rien. Et que l'accès, on... soit on l'a débloqué et du coup, il faudrait que je retourne par là. Mais là, on est d'accord que c'est là où il y a Iron Maiden, là. Juste ici. Il y a une justification à ces plateformes. J'ai peut-être raté une subtilité, hein.
Ouais. Bon, c'est ce qu'on va faire. On va avancer, on va prendre le téléporteur. Ça se trouve, tous nos problèmes seront résolus grâce au téléporteur. Ça fait quand même vachement passage, mais visiblement j'ai pas le droit. Donc salut Maury. Oh Maury. Ah oui, t'as loupé des trucs, oui. Oui. T'as totalement loupé des trucs. On est en train d'explorer le manoir. Parce que j'ai débloqué une quête secondaire qui me demande de justement bah en fait il fallait, je sais pas, que... Parce qu'on entendait des bruits dans les murs. Et en fait il y a la nana qui m'en a parlé, la servante là. Elle m'en a parlé et elle m'a dit ouais, des fois j'entends des trucs machin. Et en fait il y avait une des salles qu'on avait ouverte où on pouvait péter un mur illusoire. Bon après je pense qu'on pouvait pas le péter avant de déclencher la quête. Du coup, on s'est engagé dans les sortes de cachots chelous là. Enfin, de caveaux chelous. Et là, bah, du coup, on a accès à quasiment tout. C'est juste que bon, bah, là, en fait, je débilise sur. Ah oui, 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 non, mais. Il y avait des trucs, c'était sûr. Le truc c'est que là je débilise sur un truc en particulier. Bon, on a beaucoup avancé, ouais, même cet après-midi j'ai fait qu'une petite session et au final c'était productif. Et il s'avère que la nana, justement la servante, ben en fait c'est une sorte de reptilien. Et qu'en gros, elle dissimulait son apparence. Sauf que nous, entre temps, on avait bien exploré. On a trouvé un truc qui correspond à un embryon de truc reptile, d'enfant pas voulu, je sais pas quoi. Enfin, bon, bref, un truc chelou, quoi. Donc, je me demande si c'est pas à elle que ça appartient. Oh non, mais sans déconner, et vous êtes des sbires, hein. Ça suffit là, hein. Bon, ouais, du coup, là, je cherchais une entrée, un accès. Oula. Donc ça on l'a déjà fait, hein. Ça fait la troisième ou quatrième fois que je passe par là. C'est juste que je cherchais une fenêtre qui m'aurait permis d'accéder à quelque chose, mais je pense que j'ai pas le droit. Je sais pas. Je me suis posé la même question. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse en fait c'est... les loot, donc ce loot là en haut et le loot en bas. Et je pense que bah, sur la gauche au fond, il y a un accès, genre une fenêtre. Mais la fenêtre, je l'ai vue. Sauf qu'on peut pas l'atteindre cette fenêtre.
Donc c'est peut-être pour plus tard. Et là-bas, on a un téléporteur à prendre. Et là, je ne sais pas où on va, par contre. Donc, voilà. Mais ouais, après, on a beaucoup exploré. On a bien avancé, quand même. On a bien avancé. Non, les téléporteurs du pif à mourir, j'attends. Non, les téléporteurs du pif, j'attends. Je suis quand même tombé sur des trucs un peu vénères, donc je me dis... Oh, la boss! Bon, ça, du coup, ça me donne pas du tout l'accès à ce que je voulais voir. Merci, je suppose. Comment vous dire que je sens pas trop. Bon, vas-y. Après, peut-être que le track vipère est une arme indispensable pour... Pour le map. Dévoreur de Dieu. Mais sois tapé où ? Aïe. Ok. Adieu. Donc ça doit être la maman de... De Micheline. Je suis censé taper. Non. Ben, il rigole zéro, et surtout que, mis à part aller... C'est une blague ? C'est une blague ? Je crois qu'on va courir. C'est une blague, ça.
L'arme. Bon, après, c'est peut-être une arme indispensable. Parce que dans Demon's Souls, il y avait un boss comme ça où... on devait... enfin, on pouvait se servir d'une arme, justement. Oh, putain, oui, mais il m'a fait peur, lui. Je l'avais oublié. Bon, par contre, le fait qu'il n'y ait pas de... qu'il n'y ait pas d'effigie de Marika, c'est de l'abus, hein. Il n'y a vraiment pas d'effigie de Marika? On en est vraiment là? Ah, faut que je range mes armes. Chasse au grand serpent. Attribut requis 0-0. Ok, donc ça veut dire que tu peux te la... Arme qui tient autant de l'espadon que de la lance, censée avoir jadis servi à traquer un grand serpent immortel. Elle génère une longue lame de lumière face aux créatures semblables. Lorsque les aspirations héroïques de leur maître laissèrent place à une avidité pure, ces hommes se mirent en quête d'une arme capable de le terrasser. Ouais, donc c'est vraiment une arme faite pour le combattre. Frappez devant vous de toutes vos forces, puis en appuyant de nouveau sur la commande, vous effectuez une attaque d'estoc vers le haut. Si vous faites face au grand serpent, une longue lame de lumière apparaît. Révélant ainsi la véritable nature de l'arme. Parce que c'est vrai que j'ai ma compétence spéciale hein, de l'éclipse lunaire. Hein. Bon. C'est donc un combat spécifique. Non, non, j'ai pas la hop. Hein. Pas déconner. Ça m'emmerde déjà. J'ai pas la hop. C'est que ça, c'est très con. Hein. D'accord. Ouais, bah ok, c'est de la merde en fait. Ouais, P2. J'aurais peut-être pas dû laisser le temps. Bon, c'est vraiment de la merde du coup. Non ! Connard.
Oh mais c'est tellement con. C'était vraiment ça le boss. Et en fait j'ai juste spammé le même la même touche hein. Ouais donc effectivement qu'avec nos armes c'était vachement plus compliqué. C'était faisable hein. La vraie P2. La vraie P2 donc, et j'ai bu ma dernière popo de mana pour rien. Ricard! Oh putain. Et les crânes de Bob Lennon, ouais j'avoue. Ouais non mais attends, mais what the fuck là. Oh faut se retaper la P1 puis la P2. Oh au secours. Mais what the fuck le boss. Ah non mais là tu... Vraiment puis j'ai rien. C'était infect. Bon par contre faut que je garde ma mana pour la vraie phase hein. Oh, sa mère le boss quoi. Bon après l'idée de l'arme est bonne hein. Pour le coup c'est un... c'est pas assez épique. Je trouve qu'il manque un peu de punch à l'utilisation de cette arme là. Mais j'accepte l'idée. Mes runes, elles sont où?
dommage ça. Bah je suis mort. Ah bah c'est dommage mes 60. Bah non, bah mes runes sont pas perdues, mais elles étaient là. Je sais pas où. Elles étaient juste à côté de moi. 65 000 runes, merci à tous. Non mais par contre qu'il n'y ait pas de site de grâce à côté. Il va être galère oui et non, c'est juste qu'il me casse les couilles, c'est de faire le chemin à chaque fois. Là ça y est, j'en ai marre en fait. Ça sert à rien en plus hein. C'est pas comme si on était obligé de... De l'assumer, hein, le couloir, on peut juste courir. Il y a certains endroits où, ouais, effectivement, ça aurait pas été possible. ...65 000 runes, putain de sa mère. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui, derrière moi, là? Non mais là les niveaux ça me coûte tellement cher que c'est chiant. C'est juste un niveau ça me coûte 158 000 quoi. Bon je vais éviter de le bourriner, on va s'appliquer. Ah oui, 158 000, ouais. Non, mes runes. C'est vraiment le combo qui est efficace. Hein. Mais putain, mais... Jamais. Allez, lève-toi. Voilà, j'ai niqué la moitié de mes popos. Ça suffit. Allez, ça va, ça dégage. Oui, 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 bon, par contre, ça suffit. Hein ? Portez les conneries. De ses morts. Oui.
En fait, j'ai compris comment il fonctionnait. C'est... En gros, faut pas rester tout... faut pas rester trop au même endroit, parce que sinon t'as un geyser qui te pète dans le cul. C'est ça la mécanique vénère, en fait. C'est qu'il faut pas... Faut bouger. Pas rester en place. Ouh, que je prends absolument aucun plaisir à le bastonner, lui. Bon, et après, quand on fera la pause, en revenant, on ira récupérer les 60 000 runes. En plus là j'ai le talisman pour faire plus de runes. Hein. Je suis un sac à merde à ce moment-là. Hein. Ah mais je peux juste taper normalement en fait. Ouais mais à mon avis taper normalement c'est passé ça. Non ? J'ai vu ma dernière propos pour rien. Et je suis mort. Putain, j'ai bu ma popo de magie pour rien. C'est pas le temps le fait de le retry hein, qui me saoule, hein. C'est juste le trajet. Ça me frustre terriblement. On perd tellement de temps. Là, c'est un peu comme quand je suis dans un skatepark là. Que je suis en train de tryhard un truc vénère qui me fait fumer le cerveau. Et qu'entre chaque try, t'as genre 15 gosses qui font des tours de manège dans le parc et tu peux jamais passer. Du coup, tu passes une fois toutes les 10 minutes. À chaque fois que tu passes, t'es froid. Et quand t'essaies, généralement, tu te pètes la gueule et tu te fais mal.
Parce que t'es pas dedans. C'est un peu le même délire. Mais c'est trop bizarre, ouais, qu'il n'y ait pas de TP. Ils ont vraiment voulu faire un truc à l'ancienne, bien casse-couille, hein. Parce que bon, dans Demon's Souls, c'est le même bail, hein. C'est genre, tu fais le parcours du combattant, tu souffres, t'arrives au boss. Si tu chies, bah, dommage pour toi, en fait. Non, mais lui, ça doit être un des boss les plus vénères qui soient, hein. Le totem avant le rideau, c'est un requêt d'invocation. Pour, admettons, si t'actives le multi et que tu veux voir les marques des gens qui posent leurs marques à cet endroit-là pour t'aider. Mais j'ai eu la merveilleuse idée de te lire... Pourquoi il fallait pas, putain. Faut que je me concentre. Juste, faut que je me concentre pour celui-là. Je suis déjà gavé, en fait, là, de me retaper à chaque fois le va-et-vient. Faut que, quand je le combat, que je sois dedans, en fait. Ah. Ouais, ouais, faut que je me concentre. Putain de sa mère. Ah non, c'est pas le problème. Juste moi, en fait, faut pas que je lise le chat ou que je me dise qu'il y a un truc dans le chat. Peut-être. Alors que il y a le boss qui me fait des patterns de vénère punitifs. Voilà, voilà, c'est bien. Nickel ça. Enfin, c'est surtout qu'en deux coups, il me défonce. Donc si je commence à prendre des trucs que j'avais régus sur les esquives... Allez ! Ah, je suis en train de m'énerver là. C'est pas bon. Je suis en train de m'énerver, c'est pas bon. Que ça m'énerve. Non mais direct je rentre dans la salle du boss, je suis déjà saoulé en fait. Non mais on est d'accord, le serpent à partir du moment où je l'ai affronté dès le départ, genre ses coups de mâchoire et tout, je les esquivais. Et là j'y arrive plus. Parce que je... Je suis gavé de me faire ça à chaque fois. C'est trop bizarre. Ou alors, je sais pas, j'ai loupé une subtilité, il y a un site de grâce quelque part. Avant le boss, il y a un truc jaune au sol, non.
Ah, je veux dire, tu veux dire dans la salle de boss, genre comme une invoque. J'ai quand même un doute. Je suis désolé. Non mais juste j'étais omnibulé par le rideau, j'ai jamais regardé devant mes pieds en fait. Je suis désolé. Depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure il est juste là. Je me déteste. Depuis tout à l'heure il est juste là. Bon. Du coup on parle. C'est pas abusé ça va ? Ah mais si je peux taper normal. Bon c'est juste un premier lent quoi. Ah, je suis désolé, depuis tout à l'heure en fait je fais les allers-retours pour rien. Il y avait le 6 de grâce sous mon pif. D'accord. Tu m'avais jamais fait ça. Vas-y, bien, vise-le lui là. D'accord. Je vais m'apprendre. Oh là je le regardais pas, mais je sais pas si je suis pas mort d'un bug là. Mais par contre j'ai fait une dinguerie travail précédent là en chopant ma petite boulette anti-poisson. J'avoue, l'attaque quand il creuse dans le sol, c'est abusé.
grâce à lui. J'ai économisé un peu. Mais je me demande si je vais pas balancer des spells hein, sur la phase 2. Hein. Parce que mine de rien, les attaques, elles sont un peu lentes. Ce qu'il faut faire contre ça. Que c'est relou. C'est la shop. Vas-y là. J'ai voulu attaquer. On l'avait, hein, il était là, il était gratos, c'est bon, hein. Ah, non, mais il était gratos, c'est juste, j'ai voulu grid et le taper en me disant, vas-y, ça, mon attaque de merde, elle va mettre 1000 ans. Putain! Vas-y, je me prends les dégâts de la lave qui est juste devant, mais... Ouais. Non mais vas-y, le petit orteil qui fait trempette dans la lave, je me prends le tac de dégâts qui annule mon combo, là. En fait, ce combo-là que je fais pour le cancel, il faut pas que je le perde parce qu'il est trop important. Il me permet de temporiser, de respirer. Oh, le boss de con, quoi. Là, il me fait presque autant péter les plombs que celui en Kaelid, là, que... s'éternise. Non, j'ai trop mal commencé. Bon. Imaginez si j'avais pas si j'en étais encore au point où j'avais pas vu le site de grâce. Hein. Je pense
J'aurais laissé tomber. Ça m'aurait ultimement gavé. Allez, vas-y. Mais quoi ta merde ? Je suis en train de tout gâcher comme un connard. C'est la fête. Voilà. Comme ça, on est bien. Alors si c'est celui-là où j'y arrive, c'est une blague. Hein, parce que là, la phase 1 était mais nul à chier dans sa gestion. Dans le cul aussi ton épée là. Vas-y tape-le là. À l'aide. Bah ouais bah. Clairement, tout à l'heure, là où j'avais géré, c'est que je l'avais mais bourré. Je l'ai jamais laissé un temps mort. Sauf que là, à un moment donné, il m'a victimisé dans un coin, je voyais rien. Ça a été le problème du trail. Hein. En fait, faut pas lui laisser le temps. S'il déclenche sa P2 avec les crânes et tout, c'est juste, c'est pas possible. Et la lave surtout hein. Oh là là. En fait j'appuie sur ma roulade au moment où il me niaque et du coup mon perso retient l'input et du coup fait sa roulade juste après et se fait becter.
C'est fabuleux. Voilà, la même, exactement la même. Vraiment, en fait, j'ai appuyé sur l'esquive, mais genre un poil trop tôt ou trop tard. J'ai voulu recréer mon input. Mais du coup, le perso a compris ça pour après, quand il se faisait back. Enfin, trop chelou. Putain, mais on l'avait trop bien, là. Je fais n'importe quoi. Bon allez là. Non oui bah. Ça voilà, ça c'est cadeau. Lol. Pas batailler avec ça, on va s'éloigner quand il va le faire. Hein. Focus parce que c'est là que c'est important. Comme ça.
Oh la vache. J'ai fait n'importe quoi et c'est passé. Non merci, mais j'ai fait n'importe quoi. Oh le crâne. Et là il me tue. Ah mais ils explosent à retardement. Ah c'est donc ça. Il m'a filé combien? Eh, il m'a filé 156 000 quand même ce salaud. Ouais, 156 000, il déconne pas en fait. Il déconne pas en fait, Ricard. Bah 10. Bon bah désolé hein, je me suis énervé mais Oh quelle mécanique à la con. Non mais il me manque en plus, non mais je... Oh non les runes c'est juste c'est ma tâche où il y avait zéro. Allez plus qu'un niveau, on est à 70. Ah bordel. Il était temps que ça s'arrête, hein. Ricard de ses morts, là. Ah, ils nous en auront fait voir de toutes les couleurs, ce salaud. Mais du coup, c'est bien, j'ai la rune majeure et tout ça, mais on en fait quoi? Parce qu'en gros, voilà, j'ai battu Ricard. C'est bien. Bon, ça me dit absolument pas comment on accède à ça. Hein? N'est-ce pas? J'ai eu un souvenir, ouais. Bah d'ailleurs, on va aller à la table ronde, je pense. Et là, il n'y a plus que Tanit et Bernal le réfractaire. Les autres se sont barrés. Les autres se sont barrés. Bon, on va aller checker le souvenir. Et on va faire une pause. Hein. Ah, il m'a usé. Ricard, là. Ricard de ses morts. Les vieilles, elles ont pas un truc genre en mode bravo, super, tiens, une sacoche de talisman. L'âme blasphématoire, donc c'est un espadon, donc évidemment une arme force. Force fois, ok. Ou la rancœur de Ricard. Invoque des esprits ardents qui explosent plusieurs fois après un certain temps. Il faut 18 de fois et 40 d'intel. Ouais, mais 18 de fois. Bon, du coup, c'est 10 niveaux de fois qui me manquent pour le... Enfin, 12 niveaux de fois qui me manquent pour l'utiliser. Une telle fois. Invoque des esprits ardents qui explosent plusieurs fois après un certain temps.
Bon, peut-être que si un jour je monte un peu la foi, on pourra peut-être le tester, mais... Bon, et l'autre... Ah oui. En plus, j'ai fait avancer le Schmilblick avec lui, où en gros, il faut que j'aille dans les égouts de la capitale, donc je suppose que c'est Leyndell, pour aller dans les égouts et faire je sais pas quoi, enfin, bref. Journey to the cap, the two fingers, you maybe. Praetor Rykard is the lord of the volcano manor on Mount Gelmir. He is a ruthless justiciar who commands a company of inquisitors, reviled for his serpentine demeanor. The volcano, Mount Gelmir, lies in the west of the Altus Plateau, the realm of the Erd Tree. It was the stage of the most appalling battle in the entirety of the Shattering. Rykard has committed the grave sin of blasphemy, marking himself as an enemy never to be forgiven. Oui, ça c'était avant que je le défonce. Attendez, on a battu Godric, on a battu Radahn, on a battu Rykard, on a battu Rhenala, il nous manque plus que Morgoth. Bon, je vais aller voir Tanith quand même. J'espère juste que j'ai pas foutu le bordel à valider. À valider Rykard maintenant. J'aurais peut-être pas dû. Je n'aurais peut-être pas dû. You. It's true then. You've defeated our lord. No. I must thank you. Oh, bah d'accord, ok. J'y peur. Our lord was yet weak. You have taught us that. Defeat is not the end. Our lord is immortal. And will one day rise again. Stronger. Until then. I must stay the path. And do my part. Ouais, sa rune majeure doit servir à quelque chose. Oui, bah va falloir sûrement la révéler, je ne sais où. I will leave the volcano manor before long. Ah bon? I suggest you do the same. I will miss these encounters. The champion who walks the tainted path shines all the more. I always was an admirer. This is farewell. Perhaps we will meet again along the path. Merde! Merde! Esbar? Elle se barre? Oh, j'aurais peut-être dû finir les contrats et compagnie. Oh là là. Oh merde. Je me tire comme être Gibbs. Oui, donc la fameuse porte dissimulée, et là il y avait un escargot de ses morts, mais non, parce que de ce que je sais avec elle, c'est qu'il y avait un cheminement de quête. Hein. So, you killed Rykard. I harbor you no ill will. The strong take. Such is our code. Even he was prepared to meet a wretched end when he first took blasphemy unto his very flesh. But any road, the volcano manor is no more. Though we may yet fulfill an old promise. We hunted our own kind and took what was theirs. And with everything in hand, the time has come to rise against the Erd Tree. O greater will, hear my voice. I am the recusant Bernal, inheritor of my brother's will, and you will fall to my blade. We refuse to become your pawns. Consider this fair warning. Oh great, I am the we refused.
Alors avec elle, il me semble qu'il y avait une série 4 justement liée au fait qu'on faisait les qu'on devait faire les contrats. Sauf que bah, peut-être que vu qu'on a fait Ricard avant, ben rip. Si je fais ça, du coup elle est toujours là. Oh putain, elle est plus là. Potion d'oubli. La tour divine d'Altus Ouest. Ok. Solution contenue dans une petite fiole de laiton. Écarte la détresse et les souvenirs amers. Présent de Ricard, partisan du blasphème à Dame Tanit qui n'en avait hélas pas l'utilité. Monseigneur, je ne puis imaginer plus grande détresse que vous oubliez. Oui, non, mais c'est ça, en fait, la fille adoptive. Ça devait être la fille de Ricard. Bon, et du coup, ils se sont barrés. Il n'y a plus personne. Hein ? Il a laissé son épée pour qu'on puisse apprendre des compétences. Bon alors du coup j'ai peut-être chié les quêtes à suivre avec elle. Hein. J'ai peut-être complètement chié. Hein. Attends. Dame Tanit. Si vous affrontez et tuez Ricard dès maintenant, tous les PNJ du manoir vont partir. Donc assurez-vous d'avoir fini toutes les quêtes avant d'aller l'affronter. D'accord. Ok, donc en fait, bon, non, rip, non, ça va. En fait, si on avait fait toutes les quêtes de Tanit, elle nous aurait emmené directement à la salle du boss. Donc en fait, nous, ce qu'on a fait, on a pris la « hard way », entre guillemets, pour aller nous-mêmes à la salle de boss. Mais c'est pas grave. Par contre, un truc à vérifier, c'est si du coup, le fait qu'on ait tué Ricard enclenche quand même les trucs avec elle. Oh putain. Bon, on va se laisser ça pour... hein, après. Bisous YouTube. Et bon appétit, si vous êtes en train de manger quelque chose.